Pourquoi tu te fatigues si vite en crawl? Le problème dans la nage du crawl, très souvent, c'est une mauvaise gestion de ton souffle. Une technique hasardeuse, surtout quand tu débutes la nage du crawl, une mauvaise gestion de l'effort et une mauvaise flottaison. Tous ces éléments t'empêchent de nager longtemps sans te fatiguer. Pourtant, tu rêves d'avoir une bonne endurance dans la nage du crawl, d'enchaîner les longueurs sans faire d'efforts, comme les compétiteurs que tu vois à la piscine chaque soir. Bonjour, c'est Malcolm et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu te fatigues et quelles sont les solutions pour nager plus longtemps dans la nage du crawl. Au programme, on fera un petit jeu de techniques pour placer ta nage et être capable d'avoir une technique qui t'empêche de trop te fatiguer. En deux, on fera un jeu de souffle pour que tu puisses comprendre un petit peu quelle gestion du souffle avoir dans ta nage du crawl. Et en trois, on fera un jeu d'effort, de rythme, qui te permettra de contrôler tes gestes, ton allure, pour ne pas te fatiguer dans la nage du crawl. J'espère que ce programme te plaît. Ton pouce bleu, si ce n'est pas déjà fait, ça aide beaucoup notre chaîne YouTube à se développer. Bien sûr, abonne-toi pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Et marque-moi en commentaire quel est ton niveau de fatigue quand tu vas à la piscine. Niveau 0, totalement épuisé au bout de 25 crawls. Niveau 10, tu es capable de nager 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres sans t'épuiser dans la nage du crawl. Si tu as des astuces à partager avec les autres membres de cette communauté, n'hésite pas à partager ton expérience d'endurance dans les commentaires. On commence tout de suite avec la vidéo. Un jeu de technique doit être mis en place pour nager longtemps sans te fatiguer. Tu dois être capable de placer tes gestes correctement dans la nage du crawl. Pour la respiration, c'est simple. Tu dois ouvrir le buste pour inspirer facilement. Tu dois être capable de garder le bras en appui devant. Je garde le bras en appui devant et j'ouvre le buste et je place mon inspiration. Aussi, essaie de garder tes jambes actives pendant ton inspiration. Surveille ces trois points pour mettre en place une belle technique au moment de l'inspiration. Je te fais un petit résumé. Garder le bras en appui devant, ouvrir le buste, garder le battement actif et ça te permettra d'avoir une inspiration beaucoup plus correcte. Si tu veux rentrer dans le détail par rapport à la respiration, je t'invite à rejoindre notre club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait et on va vraiment chercher le détail pour avoir une inspiration comme les pros. En tout cas, ces trois premiers points sont hyper importants à mettre en place. Deuxième étape, tu dois faire un jeu de souffle. Tu dois être capable d'expirer suffisamment sous l'eau et d'inspirer suffisamment hors de l'eau. Donc, amuse-toi à vider tes poumons sur ton cycle de 3 coups de bras quand tu inspires. Amuse-toi à faire des inspirations bruyantes, à expirer tout ton air au dernier moment ou à expirer en continu. En tout cas, amuse-toi avec ton souffle et ta gestion du souffle, expiration, inspiration hors de l'eau pour pouvoir avoir plus d'endurance. Je te mets ma dernière vidéo sur la respiration en crawl juste là-haut. Comme ça, tu pourras aller chercher d'autres éléments, creuser un petit peu plus si ce thème t'intéresse. Enfin, pour nager le crawl sans t'épuiser, pour ne pas perdre dans ta fatigue, dans ton endurance, tu vas faire un jeu d'effort. C'est-à-dire que tu dois gérer ton effort, ton rythme. Forcément, si tu batailles dans l'eau, si tu t'amuses à faire je ne sais pas combien de coups de bras par 25 mètres par longueur, tu vas gaspiller beaucoup d'énergie, tu vas faire beaucoup trop d'efforts et le bénéfice, il sera faible. Par contre, si tu t'amuses à poser tes mouvements, à t'allonger devant, à bien glisser, à sentir l'élément aquatique sous tes appuis, à accompagner ta nage avec des petits battements et à avoir une bonne inspiration, en gérant ton rythme comme ceci, tu seras capable de faire descendre ton niveau d'essoufflement. Bien sûr, les trois points que je t'ai exposés demandent un petit peu d'expérience, ça te demande d'aller nager, d'aller à la piscine, mais ce n'est pas un cap infranchissable. Et justement, dans mon club en ligne, je t'accompagne à travers 9 stratégies pour ne plus jamais être essoufflé dans la nage du crawl, plus tous les thèmes techniques qu'on va aborder pour avoir une nage du crawl parfaite. 10 thèmes techniques, tes éducatifs, exercices illustrés et commentés, et toutes tes séances PDF à télécharger pour ne pas te prendre la tête avec la construction de tes séances. C'est un club accessible à tous, tu peux retrouver le lien dans la description. Pour résumer cette vidéo, tu dois faire un jeu de technique, bien placer ta technique lors de la respiration, un jeu de souffle, comprendre comment expirer sous l'eau et comment inspirer. Et tu dois aussi faire un jeu d'effort, c'est-à-dire gérer ton rythme, gérer ton effort pour ne plus être à bout de souffle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ton pouce bleu, abonne-toi pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. C'était Malcolm, je te dis à la prochaine. Ciao !